Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième semaine. Alors vous avez raté un peu mon mardi, comment vous expliquer? Pris des pecs, on a fait que des augmentations de poids. Non, je suis assez fier, j'ai fait une séance mardi, dommage, pas celle qui a été finie, on essaiera de faire la même aujourd'hui. Mais que des augmentations de poids, augmentations de série, genre je suis giga fier hein. Donc on va essayer de donner la même pour aujourd'hui. Normalement cette semaine pro, on change toute la programmation du sport. Parce que là on a juste fait un petit full body et tout pour... Bon, de toute façon Bruno va vous expliquer, mais en gros on a fait full body pour réhabituer mon corps. Et après on va se concentrer sur chaque muscle et vous verrez, ça va être intense. Yeah, I got a story to tell. I know they want me to fail. If they throw me into a cell. C'est la même chose, tu avances avec les genoux ouverts et tu refermes et tu recules. Ah oui, là tu fais ça et là tu fais ça. Ah, voilà. Ouverture, fermeture. Avant, arrière comme d'habitude. Là je coupe pas ça. Oh, tu coupes l'eau. This is out of you. No, I'm not alone. You're not alone. You got an army who follows you. It's time to rise up, lift your eyes up. Yeah, I hope you're gonna... J'ai pas compté, j'ai compté que l'aller. Bras droit, 10 répétitions, bras gauche. 3. Tu sais que ça me faisait trop rire ça quand on allait avec la salle avec Kota. Dans notre salle, il y avait toujours un mec qui faisait ça. Il y a plusieurs types de personnes comme ça. Il y a des gens, ils ont besoin de s'exprimer. Je me suis dit, j'avais entendu. Mais fort quoi? Attention à ton talon, t'as tendance à le lever, là sur le pied avant, t'as tendance à lever légèrement le talon, essaye vraiment d'être ancré au sol, sur le talon, ok? Repars, vas-y. Parfait. Ok. Dernière. Ok. Ça va? Là, ça m'a l'air d'être super facile. La dernière fois, on a fait avec 5 kilos, ouais. Tu te rappelles? J'ai déjà sorti les kettles, 8 aujourd'hui. Il n'y a pas 7 malheureusement. Ok, je vais juste aller chercher les kettles de 4 pour que tu t'échauffes encore. Et après, on va démarrer sur la première série de charges. Ça va? Ça tire. Ça tire déjà? Déjà, c'est l'échauffement. C'est pas malin. C'était pas aussi drôle, ça, bizarrement. C'est chaud ou quoi là? Ouais. Ouais, tu peux aller voir. Là, ouais. Ok, là c'est le même principe mais avec 8 kilos. Donc, si t'as galéré à 4, tu vas galérer encore plus à 8. Et ça, ça me fait plaisir. Prêt? Première série. T'as 1 minute 30 entre chaque série. Déjà, j'ai senti sur la première fois, j'ai fait waouh, faut relever beaucoup. 3, 2, 1, c'est parti. Michael. Ça sera pas sinon tu te relèves pas après. Lève-toi, marche un peu. Il n'y avait pas de bouille, il n'y avait pas de goût. Il y a eu goût de noix de coco, il fait. Ouais. Mais en fait, j'étais obligé de. Je pouvais pas annuler. Mardi, il a augmenté toutes ses perfs. Toutes. Dans tous les exercices. Aujourd'hui, on va essayer de faire pareil. Avec un corps mollusque. La dernière. Et on pousse. Parfait. Ah, ta merde. Tranquille en vrai. J'ai dit j'ai trop mal en vrai. Ah pas mal. Si. J'ai mal. Très bien. Fin du premier exercice. Ok, on sort bien la poitrine et on pousse vers le haut. Parfait. 2 secondes de descente, 1 seconde de montée. 1, 2, 1. On inspire, on pousse, on expire. Parfait. Et on focus ici.
Hein, toujours, on se rappelle. Yo. Partie claviculaire. Ça va? Ouais, c'est un peu lourd, mais... Moi? Ouais. Jamais. Ah, c'est de la chauffe encore. Me dis pas que ça, c'est ta charge de travail. 5. Inspire. Et pousse. Parfait. Voilà. 3. 4. 5. Et je dois sentir là et... Ouais, c'est le haut des pecs. Le haut des pecs, partie claviculaire, en dessous de tes clavicules. Ouais. Est-ce que tu sais où sont tes clavicules? La droite, elles sont plus que la gauche là. Ah ouais? Ouais. Tu commences quoi avec ta droite? T'es droitier. J'ai de pousser avec les deux bras. Mais je le sens quand je fais... tu sais, quand je laisse tomber, que lui, il m'en tient plus que lui. Ouais. T'as plus confiance à ta main droite. Alors que pourtant, les deux, je suis au même rythme, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'on traite plus lui. Et lui, je le contracte pas. Genre. Calme. Ça gère. Allez, c'est parti, Mika. Il y a un tempo. 3. 4. Le sommeil va venir avec les perfs. Non. Avec le sport. Je perds plus aussi parce que... Je sens moins les courbatures. J'ai mes courbatures ont régressé en vrai. C'est parce que les premières séances, tu t'es parti comme un fou. Tu dis ok, aujourd'hui là, je vais tout niquer. Non. Petit à petit, on va augmenter les charges. Augmenter les charges, augmenter les charges. Tu gagnes en force. T'as combien de kilos? 20 kilos. Le prochain exercice. J'ai fait ça moi. T'es sûr que c'est pas tes pertes? 20 kilos, c'est bien déjà pour toi. Je serais pas 20 kilos. Et du coup, c'est plus dur celle-là? C'est pas plus dur, mais tu auras des meilleures sensations. Je peux même pas faire ça. Mon père, il a fait dur. Ok, Mika. Là, le principe du tirage vertical, je vais te montrer. Tu connais, tu viens prendre ici. Un peu plus que largeur d'épaule, mais pas forcément. D'ailleurs, il y a écrit là. Tu vois, triceps. Et après, il y a écrit un autre truc là. Tu viens ressortir ta poitrine. Tirer avec tes coudes vers le bas, ok, et serrer tes omoplates en fin de mouvement. Tu reviens en avant et tu tires avec tes coudes, ok, jusqu'à que la barre elle touche le haut de ta poitrine. Tourne en dos avec tes omoplates. Avec tes omoplates. Merci. Au-dessus de ta poitrine. Trop bien. Ok, ça remonte. Pour la deuxième, essaye de remonter vraiment au niveau de ta poitrine. Ok, au-dessus. Là. We are not playing the same. No, we not looking to change. Hand on the wheel. They think we lacking the drive. Boy, you should stay in your lane. Foot on the gas. I do not care if I crash. Long as I stick to the plan. What is the plan? Non, je croyais que t'allais mettre 50 pour un peu de défi. Mais... On va jusqu'à 130. Hein. Objectif aujourd'hui 130. Hein. Mika, on est parti. Deuxième série. Voilà, la tête, et bien serrer ses omoplates en fin de mouvement. Inspire là, expire maintenant. Parfait. Inspire, expire, viens chercher l'autre ta poitrine. Et on. Ça allait, non? Ça allait, et on va partir direct. Non, ça allait. No time to compete with so-and-so. I ain't got a bread when I'm in my bed. No, no, no. J'ai encore du jus dans le dos. Dans le dos? Ouais. Je m'en fous. Ok. Alors, élévation latérale. Tu viens mettre les haltères légèrement devant toi. Ok. En diagonale. Tu vois, par rapport à l'axis, c'est en diagonale. Ok. Et tu viens monter les coudes en haut. Ok. Pas dans l'alignement de tes épaules, légèrement vers l'avant. Ok. Et tu descends tranquillement. Et tu remontes jusqu'à la parallèle au sol. Ok. Graduated from the trenches, no cap and gown. I ain't never need a handout. On my two feet, I'ma stand out. I ain't never take a loss now. We gon' start now at the top now. When I know. Donc les trois dernières sur les autres thèmes. C'est ça, c'est là où le mental joue. En plus, toi, t'es super mental. C'est quand je t'annonce quelque chose et qu'on le fait pas finalement, ça te détruit. J'ai l'impression que mon mental il fait quoi? C'est 34.
Le 34 ? Un seul. Vas-y, il va sur terrasse, va tirer. Une 30, et on va se faire une dernière série. Ok, là on est en train de super progresser. Quand il va avoir, on va être sur la phase de stagnation, surtout sur des exercices d'isolation comme ça, des élévations latérales, tu vas pas pouvoir augmenter toutes les semaines. Là on est à 6, tu vas pas faire 8, la semaine prochaine 10, après 12, après 16. Élévation latérale, c'est dur. Donc 6, c'est déjà super. Si on arrive à 8, 10, après on passera à 8, 10. Moi ça fait 2 ans que je suis à 10. Hein. Non vraiment, je fais mes élévations latérales à 10 kg. Cet exercice là. Par contre, je les fais à 10 kg, par contre elles sont irréprochables. Il n'y a pas d'épaule qui monte, c'est vraiment tension continue. On va mettre les mains ici, de part et d'autre, les fesses. Ok. La difficulté, il n'y aura pas de poids. La difficulté, ça va être l'angle de tes genoux. Plus tu as les genoux pliés, plus c'est facile. Plus tu vas tendre tes jambes, plus c'est difficile. Ok. Tu avances ici. Si soit tu le fais jambes tendues, soit tu mets légèrement une flexion. Ok. Mes coudes, tu les descends. Tu descends avec tes bras. Ok. Et tu pousses avec tes bras. Tu ne pousses pas avec tes jambes. Je ne veux pas que tu me fasses ça. Ok. Tu descends avec tes bras. Tu pousses avec tes bras. Descends. Et tu pousses. Que les bras, que les bras. Les jambes ne travaillent pas. Elles sont là juste pour stabiliser le sol. 4, 5, 6. La dernière. Ok, on pose. 7. Je sais pas, dans les bras quoi. 17. Ça doit être très serré. J'ai trop mal au bras là. Ça va? Les 8 kilos, ils sont là. Ok? Le marteau. C'est chauffant ça. On s'assoit. Ok? On est bien droit. Ok? On vient monter les deux bras en même temps. Aujourd'hui, tu as 15 répétitions à faire. On va faire les deux bras en même temps. Le max rep que tu peux jusqu'à 15. Si tu t'arrêtes à 11, imaginons, tu compenses après un bras après l'autre jusqu'à 15. Tu commences avec les deux bras. Là, il n'y a pas de rotation de poignet en fin de mouvement. Ok ? On vient ici, toujours prise marteau, prise neutre. Ok ? Ça tes genoux ? T'es droit. Hein. Ok. Laisse prendre tes bras. Et là, tu montes en marteau, les deux bras. Si tu t'arrêtes à 12, tu compenses. 2. 14, dernière, et 15. Dès que je vois que tu fais de la merde, tu pars sur un bras après l'autre. Ok ? C'est parti. 1, 2. Dernière. Ok, on pose. Pourquoi tu m'as cassé mon rythme de 2 ? Il marchait trop bien. Elle était moche ? Elle était pas belle. Hein. Ah ouais ? Tu compensais trop ici. Tu dansais là. Vu qu'elles sont pas belles à partir de 10, tu m'en fais 10 à 7, tu poses, tu vas chercher les 5, t'en fais 5 à 5. 5 à 5. 2. 3. 4. 6. 11. La dernière. Et 2. Ok, on se rappelle, 10 répétitions. Une fois que c'est fait, les 10 répétitions. Tranquille ou courir ? Courir. 10 répétitions. Une fois que c'est fait, tu restes sur les mains gainage. Gainage. On se rappelle de ce que c'est du gainage. Hein. Tu sais ce que c'est du gainage. Hein. Un bloc. Ouais. 30 secondes. On est prêt ? 15, 10, 30 secondes. C'est parti. 1, on expire bien. 2, ils sont contractés. 3, parfait. 4. Thank you.
secondes, mec, à 15 secondes, en un bloc. En un bloc. Les solides. Un, on pose, tranquille. Tranquille. Ça c'est Mika. La prochaine fois je te dis Mika, attention. Mon corps il tremble tellement à chaque fois que je dénage. J'ai mal au ventre tellement je contracte. Ça, je pense que c'est la pizza à l'arrière. Ah, les lardons. C'est pour les protes, les lardons. Ouais. Fin de séance, je suis mort. Ça fait comme mardi, je vous ai dit. On a essayé de dépasser les perfs. Le but, c'est de rendre fier notre coach et de vous rendre fier et de vous motiver. Donc, je vais continuer de step. Et bah on va se tuer, hein. Et semaine prochaine, changement de programme, donc on se retrouve semaine prochaine avec Bruno. À plus les gens.